I can't remember what happened last night. All I can remember is a song that goes like this. Et ben salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Battlefield Hardline. Donc cet épisode 4 à faire classer. Et ben c'est parti hein. On va pas se poser de questions hein. On perd pas de temps et on lance tout de suite. Donc je vais pas lire, je sais, ça va me couper. Donc je vais me mettre en pause et puis moi je me démerde hein. On va faire comme ça hein. Voilà. Ouais, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est la grande forme. C'est la pêche. Hein. On va faire comme d'habitude à l'équipement tactique pour ce qu'on a débloqué. Ah oui, c'est vrai, non, c'est la secondaire que je regarde. Ah, ok, un pic, ça m'a bien plu. J'ai fait pas mal de choses, même si au début j'avais un vieux chou de caca. Mais c'est pas grave. Camouflage. Ah, mais on voit pas. Ah, c'est pas comme en ligne. Ah voilà, c'est bon, j'ai trouvé mon camouflage. Ça va pas, qui reviennent, ma traque. C'est parti, hein. Précédemment, dans Hardline. Les avions volent, les drogues tombent. Qui a monté l'opération? Un connard du nom de Rémi Nels. Nels, baissez votre arme! J'ai accepté son offre. Vous, Stoddard, prenez tout. Il venait de se rendre! Nick, laisse tomber. Avant qu'on coordonne la zone. Oui, votre honneur. Je m'inscris en faux contre votre évaluation basique des faits. Mais je comprends. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. C'était l'honorable Naomi Kushner. Que pense-t-on de la juge Kushner dans les parages? Pourrie de gauche. Son Altesse ne me donnera pas de mandat de perquisition pour certains associés de Neltz. Ah, ce n'est pas grave. En temps de guerre, on se conforme aux règles? Capitaine Dawes. Nous trois, on forme un conseil tribal. Et j'ai conscience que dans notre tribu, certains membres posent problème. Il n'a pas pris l'argent. C'était une épreuve. Il fallait que je sache si t'étais fiable. Mais oui, depuis je le suis. Tout début, ta partenaire me soutient, Koui. Ah, là, je préfère. Bon. Si je comprends bien, Neltz a parlé d'un deal avec Stoddard. C'est ça, en effet. Alors retournez au bureau de Neltz et trouvez-moi du concret que je saisisse les affaires internes. Je sais qu'un ouragan approche, inspecteur. J'aime. Mais le temps presse. Oui, chef. Pour une fois, il m'a pas appelé fiston, ça m'a plu. Ok, c'est beau. J'aime la petite pluie, la petite tempête. Bordel! Ah oui, c'est pas une petite tempête. Hein. Les experts ont déjà enquêté, mais qu'est-ce qu'on fout là? Ils venaient pas chercher des preuves contre Stoddard. Si on trouve quoi que ce soit, on en réfère direct à Dawes. Si on saisit la police des polices, Dawes réglera le problème. Tu lui fais confiance? Ouais. Si Stoddard tombe, ça ne profitera à personne. Stoddard est véreux. Tu le sais aussi bien que moi. Je vais monter la garde. Et toi, vas-y. Trouve-nous des preuves pour le faire tomber. Volontiers. Pas de problème. T'inquiète pas, Sista. Je vais faire mon jeu, je vais montrer c'est quoi le travail. Alors, enquêter sur l'entrepôt. Je vais faire le tour du bâtiment. Peut-être fouiller les poubelles. Alors. Bonne idée. Bip. Mais reste en contact. Tu crois là. Que Stoddard a des potes dans le service? Probablement. Les ripoux se serrent les coudes. Ah, il y a un truc. Espérons qu'ils n'ont pas trouvé de preuves. Je crois que comme autour... Ça me surprendrait pas. Si Stoddard était stupide, il aurait déjà fini en tôle. Attends, maintenant qu'ils arrêtent de parler, ils ont arrêté de parler. Voilà. Donc, vous connaissez le truc. Nels envoyait de l'argent à l'ouest à un type du nom d'Albert. Hop, allez on continue. Hop. Oula. J'aime tout ça. On va éviter de marcher sur le sang et de faire trop de tâches. Hein. Rien d'autre? Non. Hop, allez.
Moi j'avais pas vu ça. Merde, bah, c'est pas moi. On voulait pas. Hop. On garde les indices. Oula, putain, j'aurais pas dû faire autant de bordel. Faut monter là-haut. Ah putain, j'avais même pas vu la barrière. Oh là 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 là, ça commence bien. Ma foi, c'est où? Non, c'est pas par là? C'est pas par là. Ah. Il y a un truc, mais j'arrive pas à voir où. Là-dedans? Là-haut? Encore là-haut? On va monter, hein. Pas d'indice ici. Ah si, il y a un truc. Pas les papiers là. Ah ici. Là. Ah oui, c'est vrai qu'elle veut parler de poubelle. Une nouvelle commande. Nels faisait tourner son affaire. Voilà. Hop, on continue. Pas de pièce en pièce. Ah ben voilà. Ah c'est pas ça. Ah c'est ça. Oula. J'avais pas fait attention. Ah, j'aime. J'ai même pas envie de savoir ce que c'est que ce truc. Ah, moi non plus, t'inquiète pas. C'est pour les petits enfants. Bref, j'arrête mon délire. Hop. Tac. Carte de visite de l'Elmore Plaza. D'accord. Donc Nels fournissait l'hôtel Elmore. À ce qui paraît, on va pas le contredire. Bon bah voilà, là c'est tout fouillé. Hop. Hop. Non, c'est pas par là. C'est pas par là. Ou c'est par où? Ah, attends. Y'a pas une porte? Là, hop, non. Non. Non, que dalle. Que dalle. Bon, bah, y'a rien ici. On va descendre. Hein. Putain, je suis déjà paumé. Casse les dents. Non. Non. On va redescendre. Peut-être pas tout fouiller en bas. On va redescendre. Je crois qu'il me manquait un truc, parce qu'en bas, mon portable il vibrait, mais je voyais pas où. Ouais, voilà, il vibre. Putain, c'est où? Je me faisais fouiller toute la zone. Ah. Qu'est-ce que ça peut être? Quoi? Ah, d'accord. Mais si ici, si, c'est juste à... Ah, ben voilà. Voilà. C'est la même merde que les hommes de Nels balançaient dans les Everglades. Ouais, mais cette merde-là m'a cassé les dents. Voilà, bon, après, je sais pas où il faut aller. Ça, ça va me casser les dents. Ouh, ce petit bruit-là, j'aime. La sortie, là? Non, non. Non, tu veux pas que je sorte? Bah sortons pas alors. Là rien. Là rien. Non. Putain, et ça va me casser les dents les gens, je vous dis pas. On va remonter. Si tu rates, je sais pas, une porte ou je ne sais quoi. Alors, on va procéder par étapes. On va aller tout doucement. Voilà, ah, rappelle-toi de ce que t'as fait, là ça va t'agir par là, tac, tu dois le gros pouvoir. Voilà, voilà, je me rappelle ici. Voilà, ici avec la lacrymo qui m'avait pas mal cassé. Ah non, là si, ça m'avait pas cassé les couilles. Mais pourquoi j'arrive pas à... Ah, il suffisait de s'avancer un petit peu. Voilà. Pas dur. Ah, saisir code. Trompe-toi pas, pas tomber. T'as comme il tape le code. Quoi, c'est pas ça le code?
Il retape le même code, il est con. Ah. Ah, super ça. Casse-tête. Ok. Je crois que je peux décrypter ce code. Bah, décrypte-le, je sais pas, tu fais comment. Non. Ah, il a trouvé comme ça tout seul. Oui. Bingo. Ah bah bingo. Police d'assurance de Rémy Nelt, première prise. Vendredi 14 août au soir. Je vais voir Stoddard. Maintenant, il faut trouver des conditions de collaboration qui nous conviennent à tous les deux. À mon avis, c'est tu. Stoddard. Je te tiens. Ouais, je te tiens, mon ami. Guy, bon, j'ai trouvé un truc. Je descends. Ouais, descends. Ok, moi je suis en bas dans le conteneur de fret. Ok. On descend par où? Par là. Tac, 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 je m'en rappelle, c'est par là même. Hop, hop. Hop. Magnifique. Tac, tac. Je m'en rappelle comme si c'était hier. Voilà. Bonjour ma T'as belle. Trouvé Nel, c'est Stoddard, les grandes confessions. Maintenant, on a du concret pour les affaires internes. Rémy stockait son cache quelque part. Je parie que Stoddard est aussi à sa recherche. Regarde là. C'est quoi ce truc? Je préfère pas savoir, c'est pas mon domaine. D'après Internet, le seul endroit à Miami à vendre ces trucs, c'est Domo Roboto, à Palm Court, le centre commercial. Il aurait pas caché son fric là. Non, c'est pourquoi j'ai chopé l'adresse de l'entrepôt. Ah, ça mérite une petite virée. Ouais. La petite virée, la petite virée. On va aller dans l'entrepôt de police. On va aller petit gens. Tu veux mon avis? Évite l'entrée principale. Si jamais Stoddard sort sans moi, attends-toi au pire. D'accord, comme d'hab, quoi. Ouais, la routine, quoi. On appelle le tempête. Nick, le PC vient de me signaler un van suspect. Je le suis, oula, d'accord? J'ai vu, j'ai vu. Ouais, d'accord. Mais reste en contact. C'est pas le moment de se taper un cyclone. N'empêche, voilà, je fais un petit tour de... Voilà, magnifique. Écoutez le bruit. Le bruit aussi est magnifique. Le bruit du vent. Pourquoi j'entends plus? Ah, ça doit être... Oui, maman. Ah, c'est pas moi qui dois dire ça, alors. Après, où, qui, je ne sais pas. J'ai pas fait attention. Puis on rentre dans le tas. Tac, je l'aime vite. Ok, où ça, tout va mal. Ah, oh, oh. Je vois deux bâtiments. Truffé de garde. Rappelle-toi ce qu'a dit Doz, Mendoza. T'emmerdes pas à leur lire l'endroit. Oui. Oui, il y a du monde. Je pense qu'il n'y a pas moins qu'on monte en hauteur. J'ai un seul bruit, c'est là-bas. Ça a l'air fermé. Passe par le toit. Quoi? Ouais, bonne idée. J'aime pas la hauteur. Bon, on va passer par le toit. Hein. C'est la tête. Le toit là? Non, pas le toit là. Hop. Hop, je sais pas de quel toit elle parle. On va essayer de pas... attirer trop de monde. Le tour, hein. On peut pas faire le tour. C'est juste magnifique. La voie c'est ouvert. On va faire un petit peu, on va passer par là. On va faire des bruits. Oh, Rémy te manque. Déjà, toi, tu m'as cassé les dents. Tu restes où tu es. Ok, voilà, ok. Voilà. Tac, les deux.
de merde. Hé, on a un gars au tapis par ici. Oups. Là-bas. Je vais aller voir. Ouais, mais va voir. Il y a quelqu'un ? Il faut le retrouver. Oui, mais il y a moi, mais dépêchez-vous. Faut que ça va faire. Dans le coin. Voilà. Visez un peu là-bas. Ça, c'est bon. Il a pas pu aller bien loin. Non, non, juste à côté. Continuez à chercher. Hop, et là. Hop. Non, ça veut pas. Non. Il y a quand même une texte photo ici. Ils vont m'oublier de toute façon. Ah. Ah, une sport qui sonne pas l'alarme. D'accord. Ah, bah voilà. Putain, ça m'a fait peur. Putain, il part fort. Oh oh. Les mains en l'air. Bien en vue. Oh, oh merde! Et là, je suis plus dans la merde, non? Non? Si? Là-bas! J'ai sonné l'alarme, je vous attends. Je le vois! Vous le voyez? Quoi? Il y en a là-dessus, là? Ah, monte, hein, je t'attends. Ah non, c'est là-haut. Ah, c'est la dernière position. Ah, d'accord. J'avais tapé ce... Il est allé par là. Petit bordel. Il est où ? Pas vu. Je me charge partout, les mecs. Je suis recherché. Oula, toi je dis qu'il t'a reçu. Par contre, toi. Ah, il m'a fait choper. Comment je vais faire? Stop! Fermez ta barrière de sang! Tirez-lui dessus! Bah, tu m'as cassé les dents. Faites gaffe! Hey! En bas les couilles, sonnez l'alarme, on m'avait cassé les dents là. Quand on est foutu, j'ai fait plus un jeu, ça fait deux fois. Hein. Qu'est-ce qu'il y a toi là-bas au fond? Tu t'allumes? Tu t'allumes? Tu t'allumes? Faites attention! Pauvre malade! Je suis pas malade pour rien. Hop, on va faire la petite feinte de l'ours. Par ici! Où sont-ils? Ah ouais, d'accord. Des molotovs comme ça. Les autres là-bas. Quoi? Bonjour. 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 Je suis confiant là. Voilà. Moi c'est 6 balles. Bah voilà. Pour l'instant ça a l'air d'être assez calme. Il est forcément par ici. Ouais, il doit en avoir un autre. Pire. Il va me faire quoi lui? Je le vois. Non, non, tu ne vois pas. Tu as dit que tu ne me voyais pas. Le laissez pas s'échapper. Donc, d'accord. Il est forcément parti. Il est juste ici. Bon, j'en mets les couteaux, toi, je peux plus de machine. Coupe plus coûte. Par là.
Ne bouge plus. Et voilà. Faites gaffe. J'ai arrêté le suspect. Faites gaffe. On vient vous le chercher, frère. Après, vous, le reste, eh ben, on va laisser. Tu peux crever en enfer. Ah, je crois. T'es pas mort encore ? Ah oui, d'accord, c'était ma dernière balle. Après, je suis un peu dans le caca, non ? Ah, non. Putain de merde ! C'est pas grave. Allez, sors ta tête. Non ? Tu peux que je vienne te chercher ? J'arrête de chercher alors. Putain. Alors, il faut fuir. Il faut fuir. Ouais, travail. Et je dois pouvoir entrer par là. Ok. Quand t'auras trouvé Stoddard, laisse-le parler. Peut-être qu'il dira un truc qui l'incriminera. Peut-être. Ah, c'est bon. Il a vibré. Messieurs, votre weed, je m'en branle. D'ici 2 ans, ce sera devenu légal, de toute façon. Moi, il y a un seul truc que je veux savoir. Où est le fric de Nelt ? Ce fric qui nous l'avait promis, tête de nœud. Ouais, ok. À compter d'hier, je suis le nouveau boss. Vous comprenez ce que ça implique ? Imagine que tu bosses sur une enquête et t'as un connard qui s'amène en traflant tout le mérite. Tu dirais quoi ? Je dirais... on peut en parler. Voilà, effectivement. Alors, qu'est-ce qu'on attend ? On y va ? Il a emmené plusieurs hommes en bas. Attendez, moi je refais hop, hop, parce que je suis à la pompe à 30 secondes. Moi je veux plus 90. Bon allez. Ok, suis-le. On va faire plus tard. Tu veux que je suive ? Ouais, en fait, il n'y avait pas un indice. Voilà. Les indices d'abord. Le reste après. Allez. Putain. Hop. Allez, vite. Stoddard a tué l'acteur préféré de son gamin. Non. Il est sérieux? C'est dégueulasse. Pauvre enfant. Ça ressemble pas du tout à Nelt. Il a passé des semaines à bosser sa voix. Pendant 3 jours, il nous a fait un truc à la James Mason. James Mason ne ressemble même pas à Hugo. C'est ce qu'on n'a pas arrêté de lui répéter. Enfin, moi, j'aimais bien. Hein. Oh, je vois, tu préfères donc les fraises sur tes gaufres. Ma foi, tous mes goûts sont dans la nature. Bref, remets-toi au boulot. Merde, de bouger. Ah, ça va être super. Descends, il faut que tu suives Stoddard. Tais-toi, arrête de parler, laisse-moi te concentrer. Ils discutent. On n'a pas franchement envoyé le meilleur négociateur. Oula, c'est tendu là. Tous regroupés. Je crois que t'as commencé ici trop tard. C'est risqué, donc méthode Amori. C'est un peu comme le type qui entend parler d'un groupe 2 semaines après la mort. C'est quoi ce bordel ? C'est pas trop bon, quoi. On a tous le regard fixé là-bas. Je vais en relancer un autre. Y'a rien ici. Ah, c'est bon. Arrête-toi tout de suite. Elle va vite. Tac. Après. Ces deux-là, on peut se les faire. Celui-là, je peux mieux le faire. Ça va être tendu. Déjà, pourquoi c'est tendu comme ça? On tente ou on tente pas? On bouge plus! On n'abuse même pas à essayer! De quoi? Ah ok, je vais parler plus fort. Tu prends toujours des paris ou pas? Putain, arrête-toi tout de suite! Non, j'ai pas eu le temps de fuir. 13 est à terre, je répète, 13 est à terre. Par contre, tu m'appelles pas 13, ok?
Dis-moi.